Dans la précédente vidéo, on a vu comment installer un thème WordPress gratuit et maintenant on va voir comment installer un thème WordPress payant. Alors, on a installé sur la dernière vidéo donc Dyad ou Dyad, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un thème WordPress gratuit qu'on a trouvé depuis la librairie en fait, qui est directement dans ton WordPress. Tu verras tout ça dans la vidéo précédente si tu ne l'as pas vu. Et donc tu vois un petit peu ce que ça donne. On a plutôt un design, comme on disait, un design professionnel ou en tout cas un design assez propre, même s'il y a des choses encore qu'on doit modifier, mais ça c'est normal, on le verra dans les prochaines vidéos. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment installer un thème WordPress payant. On va se rendre sur trois sites différents qui sont pour moi parmi les meilleurs pour avoir un thème de qualité. Le premier, c'est Envato Market, ou plus précisément ThemeForest. Alors tu as juste à taper ThemeForest sur Google, tu vas trouver. C'est l'un des plus gros sites, l'une des plus grosses place de marché de thèmes WordPress. Il n'y a pas que des thèmes WordPress d'ailleurs, mais il y a beaucoup de thèmes WordPress. Et ce qu'on va faire, c'est que on va taper par exemple blog. Blog pour WordPress, tu vois. Et donc là, ça va nous donner plein de thèmes WordPress qui sont de très grande qualité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici, tu vois, il y a rating et il y a 4 étoiles. Donc là, c'est au moins des thèmes qui ont au minimum 4 étoiles, donc tu vois que c'est plutôt pas mal, et on va encore ici les mettre en meilleur classement, tu vois. Et donc là tu vois qu'il y a pas mal de thèmes, faudra comparer, tu vois, il y a pas mal de choses. Imaginons, je sais pas si celui-ci nous intéresse, on va l'ouvrir sur un autre onglet, on va aller sur live preview. Alors donc là, quand c'est ça, c'est que donc là on est sur une page, tu vois, où il y a plusieurs démos, d'accord. Donc là c'est normalement quand tu cliques sur Live Preview, en général tu arrives directement sur une page de démos, si tu veux. Là a priori on a pas mal de démos, c'est-à-dire que quand tu achètes le thème, en fait tu as plein de thèmes finalement. Dans un seul thème tu as plusieurs thèmes si tu veux. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner blog et on va voir différentes démos de blog. Donc là tu vois qu'ils sont plutôt assez jolis. Voilà, quelque chose de très simple. Celui-ci par exemple, je sais pas. C'est histoire de voir un exemple. Tu vois, donc là, il coûte ce thème 69$. Donc bon, voilà, ça fait, tu fais l'équivalent en euros. Ça fait quand même pas très cher pour avoir un thème totalement, tu vois, premium, quoi, on va dire. Donc là, au lieu de payer un designer ou quoi que ce soit, bah là, tu as installé WordPress qui est gratuit, tu as juste payé l'hébergeur. Et là, tu peux te faire plaisir avec un thème premium. Donc là, tu vois qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Par exemple, là, on peut visiblement ajouter notre cours. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation. Le lien est sous cette vidéo. A tout de suite.